Bonsoir à tous. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai pas réussi à sortir la vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai expliqué que j'avais eu un problème pour faire convertir la vidéo. Et là, vous voyez, il est minuit et demi et j'y suis toujours pas arrivé. Donc, j'ai demandé du coup conseil à pas mal de gens. Je remercie d'ailleurs Loïc de Loagri, Simon Photographie et Hugo de chez HLG et JM Prod aussi d'avoir essayé de me donner des conseils. Mais là pour le moment ça marche pas. Donc j'essaye une autre méthode. Je vais essayer de convertir ma vidéo en deux fois pour essayer de vous la sortir dans la semaine. Mais là franchement je peux pas vous dire quand est-ce que la vidéo sortira. Franchement, je suis dégoûté parce que j'y ai travaillé toute la semaine pour la monter et j'espérais vraiment vous la mettre dimanche matin, mais ça s'est pas passé comme prévu. Et du coup, j'y ai essayé toute la journée de trouver des solutions, regarder des tutos et tout, et ça n'a abouti à rien pour le moment. Donc, vous voyez là, c'est en train de faire un codage, d'essayer de convertir quelque chose, mais donc il faudra, je vais essayer de le faire en deux fois et après de remettre les deux vidéos ensemble, mais pour le moment c'est, je sais pas quoi faire. L'ordinateur il me sort un code erreur et j'arrive pas à comprendre à quoi ça correspond en fait. Donc c'est un peu dommage, je m'en excuse. Bon sinon la semaine prochaine moi je suis en cours. Et donc c'est ma dernière semaine de cours. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Et normalement, quand je retourne sur l'exploitation, donc on devrait normalement ensiler si la météo se lève. On a eu vraiment pas mal de pluie de nouveau ce week-end. Donc même qu'il venait à faire beau, faudrait un peu le temps que le sol se ressuie pour pas tout abîmer et pas ramasser non plus. De la merde et surtout de la terre et tout dans le silo. Donc, on va voir comment ça évolue au fur et à mesure de la semaine. Bon, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vais essayer de résoudre ce problème au plus vite. Et encore une fois, merci aux 3-4 youtubeurs qui m'ont aidé dans ma démarche pour essayer de trouver le problème. Et merci encore surtout à Hugo. Qui cherche encore comment je vais pouvoir m'en sortir. Bon voilà. Moi je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.